Et pour tous le slip, j'espère que vous avez toute la forme. Bienvenue dans la classe de la Team Slip. Voilà, donc pour ceux qui viennent pas sur les lives, j'ai des scènes un petit peu roleplay. Donc là, on est dans la classe, le premier étage de la taverne de la Team Slip, là où on donne les cours aux membres de la Team Slip pour qu'ils arrêtent de hint en ranked et dans les game viewers, bien évidemment. Voilà. Bienvenue à tous. Vidéo assez spéciale. Ça va être une vidéo où on va discuter surtout. Je voudrais déjà vous remercier énormément pour le soutien que vous faites en ce moment sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, les messages de soutien sur Discord. C'est insane. J'ai pas les mots. Voilà, à part dire merci, je peux rien faire. Donc merci pour tout le soutien. Pour ceux qui viennent me voir en live, merci énormément. Ceux qui me soutiennent dans le Rush Master de fin de saison, ceux qui me soutiennent bien évidemment sur les vidéos qui ont un peu, qui sont hors thème. Faut savoir, récemment j'ai sorti une vidéo batterie sur la musique de Doom. Ça me tenait à cœur, c'était un petit projet à part, on va dire hors League of Legends, qui me tenait à cœur. Vous avez été nombreux à liker la vidéo, à commenter, ça me fait ultra plaisir. Merci à vous tous. On va discuter d'un sujet très important. C'est le plus gros projet que j'ai eu cette année, que j'ai bossé dessus. Je vais vous expliquer un petit peu. En gros, pour ceux qui ne savent pas, ça faisait 2 ans que je vivais du coaching League of Legends, et le problème c'est que coaching, stream, YouTube et coaching de team à côté, ça faisait beaucoup trop pour ma vie privée. Je ne prenais pas de soin de moi, pas soin de mes relations, de ma famille. J'ai mis beaucoup de côté pour tous ces projets à la fois. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer un petit peu à reprendre du temps pour moi. Et donc, j'ai décidé il y a 6 mois de ça, non pas 6 mois, c'était en fin mai, ça fait 5 mois, que j'ai décidé d'arrêter de faire les coachings. Voilà. En mars, voilà, c'est ça. C'était en mars, donc ça fait 5 mois et demi. Voilà. Décidé d'arrêter les coachings, pouvoir m'occuper du streaming, de YouTube et aussi de ma vie privée, d'avoir le temps un petit peu pour ça. Mais je me suis dit, c'est un petit peu dommage parce que beaucoup de gens me suivent pour mon contenu didactique, éducatif, bref, sur le jeu pour apprendre des choses. Et je me suis dit, pourquoi pas bosser sur un site web qui peut vous aider. Et donc, je vais vous présenter la Team Slip, mes amis, ma famille, vous êtes un peu ma famille, hein. Mon plus gros projet, on a travaillé 4 mois dessus avec Kimbu, dédicace à elle. Kimbu est une abonnée qui me suit depuis très longtemps. On a bossé sur un site web de coaching et dessus, il y a du contenu assez sympa. Je vais vous le présenter. Idizzy veillera bien à rendre la vidéo dynamique, pas que ce soit trop chiant à regarder. Et du coup, c'est parti et bienvenue sur mon site web, mon plus gros projet. 4 mois de travail intensif où on a vraiment passé beaucoup de nuits à travailler ensemble. On a fait le site web à deux. J'ai fait tout le contenu, elle a fait tout ce qui est côté codage. Moi je ne code pas, je ne sais pas faire de site web, mais c'est elle qui a tout fait le codage, qui a tout mis le site en ligne. Moi j'ai écrit tout le contenu, tous les textes de A à Z. Donc voilà, c'est un travail qui a été fait à deux en 4 mois de boulot. Bien évidemment, il doit y avoir encore quelques bugs, mais bon, on est en train de tout corriger, donc ne vous inquiétez pas, le site n'est pas encore opti à 100%, il est à 95%. Voilà. C'est parti, bienvenue du coup sur mon site web qui s'appelle donc Progresser sur League of Legends. Voilà. Donc bienvenue, on est sur la page d'accueil du site web. Donc voilà, on a fait un site assez, on va dire, on a voulu faire simple, un truc propre, avec dans le thème League of Legends. Toutes les images que vous voyez, c'est des images qui sont sur le site League of Legends. Donc voilà, petite page d'accueil, 4 vidéos tendances, mes réseaux sociaux, rejoindre le Discord. Voilà, ça c'est la page d'accueil. Rien de spécial, je vais mettre surtout 4 vidéos les plus, celles que vous appréciez le plus. Donc celles que vous likez le plus, en principe, je mettrai ça là, je changerai de temps en temps. Un petit onglet nouveauté pour mes dernières vidéos et celles que je trouve les plus intéressantes. Parce qu'il y a des vidéos que je fais que je trouve moins intéressantes que d'autres. Là, vous avez par exemple le coaching de mon petit cousin qui a été sympa, le coup de gueule sur la communauté LOL que je trouvais intéressant. Un petit coaching assez fun aussi également, et le trash flag one shot, voilà. Et là c'est parti, on rentre dans l'intéressant. Voici l'onglet guide, voilà. Donc vous savez que je suis coach League of Legends depuis 3 ans, ça fait 3 ans. Et je me suis dit, je vais faire des guides universels qui vont aider tout le monde, peu importe ce que vous jouez comme rôle, comme champion. Et le but, ça va être de vous aider via ces guides. Il y en a 5 pour l'instant, je vais en rajouter bien sûr. Il y en a un qui arrive bientôt, d'ici la fin du mois d'octobre normalement, un autre qui arrive. Donc vous avez 5 guides par thème. Comment se présentent les guides? C'est du textuel et des vidéos à regarder en plus. Donc là, on va vraiment aborder des thèmes et vous allez vous focaliser sur un seul thème. Voilà. Par exemple, là, vous avez trouvé son rôle champion. Beaucoup de gens me demandent, Sleepy, je sais pas quoi jouer comme rôle et champion, t'as des idées? Eh bien voilà, voici un article qui va pouvoir vous aider. On va un petit peu regarder ensemble. Donc voilà, comment ça se présente. Il va y avoir du textuel, des vidéos à regarder, des images pour vous aider, des questions-réponses pour vous aider. Ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ça et je pense que ça va aider en plus d'un. Voilà. Faut savoir que le site, j'en ai parlé en live il y a de ça 2 mois à peu près. Donc il y en a qui le savent déjà que mon site est là. Mais pour vous, YouTube, j'en ai pas trop parlé. Donc si vous venez jamais sur mes lives, je pense que c'est une découverte pour vous. Donc voilà, trouver son rôle, son champion est primordial dans League of Legends. Des petits textes pour vous aider. Tout mon savoir, toutes mes connaissances sur le jeu sont dans mon site web. Donc c'est comme si vous prenez un coaching avec moi. Tout est gratuit sur le site, il n'y a rien de payant, je le répète, il n'y aura rien de payant, tout est gratuit. C'est tout pour vous aider, il n'y aura pas de publicité, pas de contenu payant, tout est vraiment pour vous aider. C'est pour m'excuser du fait que je ne serai plus disponible pour les coachings solo. Je vais me consacrer au coaching de team, notamment de ma team Refuse Resist, où je suis leader de l'équipe et que j'ai envie de les emmener en Ligue 2, donc ça prend beaucoup de temps, et le peu de temps que j'ai, ça sera pour eux. Donc voilà, donc le guide là a trouvé son rôle, avec des questions-réponses que j'ai mis au point moi-même. Ça m'a aidé à moi, donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait aider les gens. Avec des vidéos, donc n'hésitez pas, bien sûr, quand vous regardez un guide, quand vous lisez un guide, regardez
regardez toujours les vidéos que je mets en plus. C'est vraiment complémentaire en plus du textuel. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses si jamais vous n'arrivez plus à trouver votre rôle ou votre champion. Donc voilà, trouvez votre rôle. Petit exemple avec des coachings de mes vidéos YouTube. Donc bien évidemment, vous avez potentiellement déjà vu certaines des vidéos qu'il y aura sur le site parce que c'est des vidéos qui sont déjà sur mon YouTube. Mais rien n'empêche une petite piqûre de rappel et pourquoi pas revoir des vidéos coaching, c'est très intéressant. Par exemple, voyez des vidéos, les regarder une fois, ça m'aide pas, mais regarder plusieurs fois. Parfois, ça fait des déclics, ça peut être sympa. Trouver son champion, bref, voilà, vous avez compris. Du textuel, de la vidéo à regarder, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Avec plein de vidéos, de mes vieilles vidéos que vous avez peut-être pas envie de chercher, là au moins, je l'ai fait pour vous, c'est archivé pour vous. Donc, un guide a quand même pas mal de vidéos, pas mal de textuel. Donc, en tout, sur, avec tous les guides, vous avez 20 heures de visionnage vidéo, ce qui est plutôt énorme, et vous avez 3 heures de lecture en tout. Donc, vous avez de quoi faire. Voilà, on retourne dans les guides. Vous avez ensuite un guide universel à progresser sur le jeu en général. Pareil, regardez, trié par thème, trié par catégorie, avec des vidéos, des coachings. Il y a aussi des vidéos privées qui sont exclusives au site web, donc il n'y aura pas encore sur mon YouTube. Donc voilà, vous avez de quoi regarder, avec des techniques, des vieilles vidéos qui ressortent, qui peuvent être sympas à vous aider aussi également. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi regarder et apprendre. Voilà, avec bien sûr des petits mèmes un petit peu partout, histoire de rendre la navigation agréable. Voilà, voilà, donc c'est beaucoup de boulot, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc vous avez 5 guides. Trouver son rôle, champion, progresser sur le jeu, sortir du bailo, gagner sa phase de lane, et le mental et la rage. Très important, le mental sur le jeu, et vous le savez. Ensuite, on arrive sur les tutoriels champions. Donc vous avez les 5 tutoriels. Pour l'instant, nous avons que mid lane, jungle et top lane. Nous n'avons pas tous les tutoriels de tous les champions. Il y a beaucoup de champions, c'est beaucoup de travail. On va le faire petit à petit. Le site va s'améliorer sur ça. C'est petit à petit, il va grandir et s'améliorer en qualité. Pour l'instant, on a la top lane. Voilà comment ça se présente. Il y a ça comme champion. Vous avez les champions prochainement qu'on va faire bientôt, bien évidemment. Tous les tutos sont déjà pratiquement sur ma chaîne YouTube et il y en a exclusifs au site web. Par exemple, le tuto Yone qu'on a mis récemment, il n'est pas sur mon YouTube, mais il est sur le site. Par exemple, on va aller sur un tutoriel. On va prendre Volibear. Comment ça se présente? Vous avez l'histoire du champion, pour ceux que ça peut intéresser. C'est quand même bien de savoir un petit peu le lore du champion qu'on joue, ça peut être sympa. Les compétences expliquées, voilà, avec les logos, comme ça vous pouvez pas vous tromper. Les compétences expliquées, les forces et les faiblesses faites par des champions, des joueurs français que j'ai contactés qui sont OELO, Master Plus. Donc voilà, j'ai demandé de l'aide à des collègues streamers, à des joueurs OELO que je connais, qui m'ont aidé à faire les forces et les faiblesses de chaque champion. Et ensuite, une petite vidéo gameplay. Donc bien évidemment, il y a moyen que vous en ayez déjà vu sur ma chaîne YouTube, même forcément ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais c'est pour ceux aussi qui me connaissent pas, voilà, qui découvrent mon site web, qui n'ont jamais vu mes vidéos YouTube, ça pourrait être intéressant pour eux. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, les tutos, ça sera moins utile pour vous. C'est plus dans les guides et dans les troll pics que ça, vous allez comprendre pourquoi le site est intéressant. Sinon, rien n'empêche de revoir une vidéo, encore une fois, enfin voilà, lire un livre deux fois n'a jamais été un problème. Voir un film deux fois, pareil. C'est pareil pour des vidéos YouTube et pour des tutos sur League of Legends. Voilà, donc pour les tutos, vous avez compris, vous avez pour l'instant jungle, mid lane et top lane. Pas beaucoup de champions pour l'instant, je m'en excuse, c'est beaucoup de boulot. Mais voilà, c'est par rapport aussi aux vidéos YouTube que je possède, donc forcément, il n'y a pas tout. Et on va remplir petit à petit. Et maintenant, les amis, voici le côté un petit peu Sleepix que j'ai rajouté. Vous avez bien douté que j'allais faire un onglet troll pic quand même. J'espère en tout cas pour ceux qui me connaissent. Voici l'onglet Troll Pic. C'est le seul site web de League of Legends où vous allez avoir des guides sur des Troll Pic. Alors, bien évidemment, c'est précisé, hein, avec une belle parenthèse. Vous trouverez ici mes Troll Pic favoris de la faille. Les Troll Pic exotiques font partie de League of Legends depuis toujours. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans mon contenu, mais je suis fan de ce genre de gameplay originaux. Vous l'avez remarqué, hein, les Troll Pic, les pics exotiques, j'adore ça. C'est vraiment mon petit coup de cœur de League of Legends. C'est pour ça que je suis encore sur le jeu. Je pense que sans les Troll Pic, j'aurais arrêté le jeu parce que trop de tryhard me fume le cerveau, tout simplement. L'avantage d'un pic exotique ou d'un Troll Pic, c'est premièrement de se taper des bonnes barres, mais surtout de surprendre vos adversaires. Ça aussi, j'aime bien. Voici mes Troll Pic que je joue le plus souvent, que j'ai theorycraft moi-même, adapté moi-même à la méta. Alors oui, la nouvelle saison qui arrive bientôt, tout ça, on le sait, je modifierai, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas la nouvelle saison, on a encore un mois et demi à peu près de jouer encore sur cette saison-là, donc vous avez de quoi regarder. Voici les Troll Pic, les guides des Troll Pic du coup. Vous avez Xin Zhao autoroute actuellement, Thresh Flak, Caitlyn Sniper, Kai'Sa Laser, Lucian AP lance missile et Zed Forêt. Donc pour l'instant, vous avez 6 guides Troll Pic. Alors dedans, j'explique un petit peu tout, vous allez voir, je vais vous montrer. Et bien sûr, les prochains qui arrivent bientôt, prochainement, les prochains Troll Pic qui arrivent bientôt, Jinx Zap, Olaf Vol de Vie, Brom Paf, Toussaint Mitraillette et Ekarim Charge Létalité. Voilà. Donc vous avez des guides sur aussi les Troll Pic, donc ça peut être intéressant de montrer à vos potes également et à vous d'apprendre un petit peu à jouer les Troll Pic. Alors dessus un guide Troll Pic, il y a quoi? Je vais vous montrer un exemple, on va prendre Xin Zhao autoroute. Vous avez explication des runes, comment j'ai pensé le pic, aussi l'origine de comment j'ai réussi à sortir ça. Là j'explique que c'est un pic qui a été joué par Faker à la base en 2017, Xin autoroute, hein, voilà. Je vous montre la page de runes à utiliser, comme ça vous êtes tranquille. Explication pourquoi je prends telle ou telle rune, ça peut être sympa à vous aider aussi à comprendre comment je réfléchis à faire un Troll Pic. Explication du gameplay, qu'est-ce que vous devez faire dans la game pour gagner, qu'est-ce que vous devez faire pour vous être bien dans la game et pas être au fond, voilà, très intéressant. Aussi également les vidéos gameplay, comme ça vous n'avez pas à chercher tous les gameplays de Xion Autoroute par exemple. Je vous ai mis tous les gameplays à chaque fois d'un Troll Pic, vous avez tous les gameplays à regarder, comme ça vous pouvez vous régaler et apprendre directement sur le terrain. Et ensuite, c'est pas fini, les faiblesses. Parce que bien évidemment, les Troll Pics ont des faiblesses, et là je vous explique les faiblesses à chaque fois. Donc vous avez compris, gameplay, page de rune explicative, comment être bien dans la game et les faiblesses du champion. Voilà, voilà.
avec une petite image toujours fun à la fin. Donc voilà, vous avez, du coup, si je fais un petit récap, vous avez les nouveautés des dernières vidéos, des guides sur les champions, des tutos, des guides universels, pardon, donc comme on vous l'a montré tout à l'heure, trouver son champion, progresser, sortir du BLO, ça peu importe ce que vous jouez, ça va vous aider, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est vraiment toutes les questions qui me ressortent souvent, tout mon travail de coach que j'ai fait pendant 2 ans, il a été remis sur ce site sous forme d'article en fait. Donc c'est un peu comme si vous prenez un coaching avec moi. Et après, bien sûr, l'explication des trollpics. Voilà. Donc les trollpics, vous avez compris, c'est pas compliqué, vous avez des guides, et comme ça vous pouvez refaire mes trollpics que vous adorez sur mon YouTube. Ça vous tient à cœur de jouer les trollpics comme moi. Ensuite, bon voilà, petite page de présentation du site, je vous explique mon petit parcours, comme quoi je stream, depuis quand je coach, ben, voilà, j'explique un petit peu le site web. Vous avez également un onglet me soutenir, pour ceux qui veulent me soutenir d'une manière ou d'une autre. Et vous avez également la boutique, donc n'hésitez pas à aller check, ça mène directement sur la boutique. Si vous voulez prendre un article et me soutenir, vous pouvez aussi via la boutique. Et la page contact, si vous voulez me contacter par mail pour un sponsoring ou quelque chose, ou un partenariat, enfin bref, voilà. Voilà, voilà, donc c'est tout pour la présentation de mon site. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez aller dessus. Il est en description et il est en commentaire épinglé. En tout cas, si vous voulez me soutenir, vu que tout est gratuit sur le site, c'est tout simple, vous le partagez à vos potes qui jouent à LOL, tout simplement. Dites, est-ce que t'as entendu parler du site de SleepyX, enfin bref, voilà. Au plus le site sera visité, au plus il sera remonté sur Google, et au plus il pourra aider de joueurs français à comprendre un petit peu des choses sur le jeu, donc que ce soit des trucs basiques ou bien voilà. Encore une fois, je le répète, c'est que 4 mois de boulot, donc on va l'améliorer au fur et à mesure. Il n'est pas encore rempli à 100%, surtout au niveau des tutos. Mais les guides, vous avez quand même pas mal de visionnage déjà et de lecture à faire. Donc ne vous inquiétez pas, il va être mis à jour par moi-même. Ça va être mon nouveau taf. On va dire que 50% du temps que je vais utiliser maintenant, ça va être pour mon site web, alors qu'avant les 100% c'était pour le coaching. Mais j'aurai 50% pour ma vie privée et 50% pour le site web. Vous avez compris. C'est pour que je gagne du temps et que vous ayez quand même de quoi progresser sur le jeu parce que vous étiez bien attaché à mes vidéos et à mes coachings. Voilà. Donc j'en suis désolé pour ceux qui voulaient prendre du coaching avec moi. Ça ne sera pas possible. Je préfère me focaliser sur ma vie privée. Voilà, voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Idizzy rendra la vidéo plus agréable à regarder. Merci à toi, frérot. Fais un petit clin d'œil si jamais dans le montage tu, voilà, tu montres bien que t'as bien écouté. Quand même, c'est important. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine et à bientôt sur mon site web. Donc maintenant, quand tu sais pas quoi faire sur LOL, progressez sur lol.com.fr. Non, c'est .fr, pardon, excusez-moi. Le mien, c'est .fr. Très pro, ça, hein, de pas connaître son URL. Bref, SleepyX progresser sur League of Legends.fr. Allez, salut les gars, bonne soirée. Bip bip.